Bonsoir, bienvenue dans le meilleur du sport sur Mathieu Bambeaujolais. On retrouve Sébastien Atlan, le défenseur central du Football Club de Villefranche, après cette défaite face à l'AS Monaco, 3-0 pour la dernière à domicile. Bah ouais, ça fait mal, on voulait finir autrement, surtout à domicile, parce que depuis mon arrivée, même en 2015, on n'a pas connu la victoire ici. Et puis voilà, quoi dire d'autre, à part que... En gros, vivement que la saison se finisse parce que je pense qu'on est émoussé autant physiquement que mentalement. On entame bien les matchs là aujourd'hui pendant une demi-heure. On a le jeu, on a les occasions et bon, on met pas au fond. Et nous, sur la moindre erreur qu'on puisse faire, eh ben, on le paye cash. Et ensuite, eh ben, ça nous met un coup au moral déjà. Et après, pour revenir dans le match, c'est plus compliqué. Et ensuite, ça s'est enchaîné, comme d'habitude, un peu désorganisé. On a essayé, on a malgré tout encore eu de nombreuses occasions. Et après, à 2-0, bon, le match est plié. On sentait qu'on ne pouvait pas renverser le match. Et voilà, c'est dommage de finir comme ça. Mais bon, on va essayer de faire bonne figure à Nice, finir sur une bonne note. Mais bon, les 15 matchs qu'on a fait sans défaite, je pense qu'on a puisé énormément physiquement et on le ressent cette fin de saison. Voilà, donc très belle analyse de Sébastien Atlan. On peut voir que ce n'est pas une excuse, mais que le Football Club Villefranche, avec ses 15 matchs sans défaite, on laissait certainement quelques plumes. Mais ils sont capables de réagir pour ce dernier match du côté de Nice avec, pourquoi pas, ben, une petite victoire. Et bon, ben, ça sera fait pour la fin de saison. Ah, il faudrait finir, ça serait la moindre des choses déjà, d'obtenir un résultat positif à Nice pour clôturer cette belle saison quand même, parce qu'il y en a aujourd'hui qui jouent leur survie. Nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir un match de gala, mais malheureusement, comme je vous ai dit, sur le terrain, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et voilà, c'est le football. Après, il faut féliciter Monaco. Ils ont su faire ce qu'il fallait. Ils jouaient leur maintien et ils ont été efficaces. Voilà, donc on remercie le Football Club de Villefranche pour cette belle saison de tous les matchs à domicile, avec des bons résultats, bien sûr. Et ben, on va se dire... A très bientôt Sébastien, à Nice, et surtout ben, pour la reprise de début juillet. Oui, oui, c'est ça, la reprise. Je pense qu'il va falloir savourer cette trêve-là, recharger bien les batteries pour revenir frais mi-juillet et repartir de l'avant avec le groupe pour entamer un bon championnat. Voilà, on remercie Sébastien Atlan.